Oui, il est temps de s'occuper de ça là. De toute façon, vous l'avez vu, hein. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps, entre guillemets, de vous mettre tout le départ et l'arrivée de ce que va être ma tête. Mais je me suis dit que ça serait pas mal de débriefer. Alors, j'ai préparé tout ma mixture, etc. Enfin, on est OK là, hein. Vraiment très très bien. Donc, qu'est-ce que je voulais vous raconter dans cette vidéo? Je voulais faire un petit point sur le défi, papoter avec vous, etc. etc. J'ai des pellicules. Bon, en même temps, mes cheveux sont vraiment de chez Jichols. Donc, petit point de défi. Ça fait maintenant plus de 6 mois que j'ai attaqué le défi de une vidéo par jour. Alors, on va faire un débrief de jusqu'ici, comment ça se dance, etc. Et puis je vais vous dire si je continue, je vais vous dire pourquoi, du comment, de pourquoi, de quoi, de qu'est-ce. Et puis vous faire une petite update de vie, on va dire. Hein. On va papoter tranquille, quoi, en se faisant les cheveux. C'est vraiment, là, je peux plus. Je peux plus me saquer. De toute façon, je peux plus me saquer. Donc, c'est soit ça, soit je m'arrache la tête et puis on passe à autre chose. Donc, c'est parti, mon kiki. Alors, question. On va commencer par le défi. Donc, on est, comme je vous disais, à maintenant plus de 6 mois du commencement de ce défi d'une vidéo par jour. Alors, dans l'ensemble, je suis plutôt très contente du rythme que j'ai pu prendre puisque en 6 mois, plus de 6 mois maintenant, je trouve que eh bien, j'en ai pas loupé énormément des vidéos. Il y a eu quelques ratés pour cause de problèmes techniques, pour cause de j'ai pas eu le temps, pour cause de plein de choses. Il faut que je mette un truc sur mes genoux. Tu me diras, je vais me séparer de ce legging là, mais quand même, c'est pas une raison. Donc je trouve que dans l'ensemble, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a un super rythme. Alors ces derniers temps, c'est vrai que j'ai un rythme de zinzin. À cause du tri, etc. C'est-à-dire que je fais du tri, je fais du montage. Je fais du tri, je fais du montage. Ma vie se résume qu'à ça. Mais en même temps, c'était vital de faire ça. C'était vital. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas partager ça, parce que je sais que ça en a motivé plus d'une, de par vos petits clins d'œil en privé, ou même sous les vidéos en mode, bah, j'ai fait du tri moi aussi, et tout. Donc ça, c'est cool. Finalement, ça nous a toutes... toute motivée, donc ça c'est très très bien. Sinon, hormis ça, je trouve que voilà, le rythme il est quand même très très bon. Alors c'est un rythme de zinzin, ça me donne un taf de dingos, mais franchement, j'aime tellement faire mes vidéos et j'aime tellement voilà vous prendre pour tout et n'importe quoi. J'ai vraiment voilà. Donc dans l'ensemble, je suis plutôt assez satisfaite de mon rythme. Ça prouve que tout simplement déjà je suis capable d'avoir un rythme de zinzin et de maintenir ce rythme. Je suis voilà, je bosse dur de ouf quoi. Et voilà. Ensuite, est-ce que je suis contente du retour de votre part? Oui, je suis contente. Alors, en sachant bien que ceux qui me soutiennent vraiment de ouf, c'est vraiment ceux qui lâchent des commentaires. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un truc qui est très très pris en compte finalement dans l'algorithme, etc. C'est vraiment les commentaires. Et je suis tellement contente de pouvoir vous retrouver vraiment genre tous les jours et tout. Je suis vraiment très très contente. Alors là, en ce moment, j'ai un retard de zinzin sur les commentaires, il est vrai. Mais sur les commentaires, sur les vidéos YouTube, etc., j'ai un retard de zinzin. Mais j'avoue que je ne me pose foutrement pas. Il n'y a que cette semaine où j'avoue, j'étais un peu... enfin, la semaine dernière, du coup, vu qu'on vient juste d'attaquer, on est mercredi déjà. Ça passe tellement vite le temps, j'ai pas le temps de voir passer. Oui, il n'y a que la semaine dernière où je me suis réellement posée, entre guillemets, parce que je t'avoue que... le traitement des dents, j'étais pas vraiment prête. Ça m'a permis quand même de faire quelques tris, j'ai réussi à faire quelques tris et tout, mais j'étais allumée sévère quoi. Ça m'a flingué la gueule. J'ai pas l'habitude de prendre des médocs et ça se voit parce que c'est très très efficace quoi. Ça m'a blindé la gueule, mais de fou. En tout cas, j'ai repris un peu d'énergie là, j'ai baissé un peu mon stress aussi. Et ça m'a fait vraiment du bien de m'éloigner un peu et de m'occuper un petit peu de moi, de me reposer un peu, etc.
tout en pouvant, parce que j'avais pas mal d'avance, continuer à faire le défi. Donc jusqu'ici tout se passe bien, je suis hyper contente, je suis hyper fière de mon taf et hyper contente de ce que je peux vous proposer, même si voilà, ces derniers temps ça a été beaucoup de tri, etc. et que je suis réellement pas beaucoup sortie, je vous ai pas fait de blabla de depuis X temps, mais on va y arriver. On va y arriver à reprendre un bon rythme, à reprendre tout bien comme il faut. Vous inquiétez pas, juste qu'en ce moment, je suis dans un mood de faire peau neuve sur pas mal de choses. Donc forcément, ben, ça passe par rester chez soi, à trier toute sa life. Je trie aussi ma life de personne. Je trie, enfin voilà, c'est le reset de vie, parce que chaque année, je pense que il y a besoin de faire un reset. Je me sépare de certaines personnes, j'en accueille des nouvelles. Je reset en ce début d'année, enfin début d'année qui a bien avancé. En fait, si tu veux, vu qu'on a eu de la neige, je pense que mon cerveau aussi s'est décalé dans le temps et genre il est en mode on recommence tout. On recommence tout depuis le début de l'année. J'ai pas mal de retard du coup. Mais bon, bref. En tout cas, tout ça pour vous dire que on va retourner en blablade. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui kiffent ça, vous inquiétez pas. Le retour des blablades est imminent. Mais juste, voilà, j'aimerais bien vraiment finir mon petit bazar pour pouvoir être tranquille, tout simplement. Hein. Pouvoir être tranquille et partir avec vous en mode blablade. Est-ce que je vais continuer le défi? Roulement de tambour, s'il vous plaît, au montage. Merci. Oui, je vais continuer le défi jusqu'à au moins un an. Après, on verra ce qu'il en est. Mais oui, je vais continuer le défi. J'espère que vous êtes contents. C'était pas sûr hein, depuis le départ. Hein. J'ai dit un an pour faire la vidéo, on va dire. Mais en vrai, je me suis dit déjà, on va voir à partir de 6 mois si réellement il y a quelque chose qui se passe. Après, je dois bien vous dire une chose, c'est que ces derniers temps, il y a eu pas mal d'arrivées, de départs, mais c'est pas pour mes vidéos, enfin, il y en a quelques-uns pour mes vidéos YouTube, mais principalement, ce qui fonctionne réellement, c'est le format beaucoup plus court de short, YouTube short. Donc c'est ça réellement qui m'a apporté du monde. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a quand même plus de 30% des personnes qui regardent mes vidéos, etc., qui ne sont pas abonnées. Les gars, c'est gratuit. Si j'avais le potentiel de pouvoir vous bloquer, de pouvoir vous dire attention, comme sur Instagram je le fais souvent, attention, abonnez-vous avant que je vous bloque. Je le ferai avec grand plaisir. Parce que... après tout, putain, on se décarcasse, on vous propose des choses. Vous avez un seul truc à faire, enfin, quelques bricoles, mais je pense pas que c'est le bout du monde, c'est de vous abonner, etc. Tout est gratuit, donc voilà. Voilà. Faites comme tous les gens qui sont là tous les jours, quoi. Soutenez, soutenez, sans déconner, soutenez-moi quand même. Non, en vrai, peu importe, parce que je suis quand même ultra contente. J'ai un bon rythme, je vous retrouve tous les jours. Alors, je vous réponds pas en commentaire tous les jours, mais je vous lis tous les jours, du coup, parce que, en fait, il faudrait vraiment que je me pose à chaque fois et répondre à chaque fois, parce que là, j'ai de nouveau, comme je vous disais, un retard de zinzin. Je vais avoir une dizaine de jours de retard que j'ai commencé à rattraper hier soir. J'ai dû prendre une heure ou deux dans mon lit, là, à répondre, tac, tac, tac. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est... Tu te brouilles dans tes idées et tout. J'ai dit ok, allez stop, on arrête. Mais j'avoue, j'ai pas mal de retard, pardon, dans les commentaires. Il faut que je rattrape ça. Mais n'hésitez pas à continuer à me laisser des coms, même si voilà, je vous lis au jour le jour, mais je vous réponds pas au jour le jour. Il faut que je remédie à ça d'ailleurs. Mais tout simplement parce que le rythme, c'est un rythme de zinzin. Je pensais pas... Enfin, si, je savais que ça allait être un truc de zinzin, mais quand même. Bon, bon, bref. Mais je suis hyper contente de vous retrouver tous les jours. J'espère que vous aussi. J'espère que, voilà, que pour ici, tout vous plaît, etc. Alors, je sais qu'il y a certains contenus qui passent complètement à trave. Je sais qu'il y en a d'autres qui fonctionnent plutôt bien. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont revenir, comme je vous disais, pour notamment les blablas et tout. Du coup, je ne sais toujours pas si je vous fais des contenus spéciales, entre guillemets, spécial mode ou quoi. Je pense que je vais quand même continuer sur,
sur le fait de vous présenter quelques tenues, peut-être en vlog, je pense que ça serait la meilleure idée, en vlog. Comme ça, c'est rapide, efficace, et puis on se prend pas trop la tête et tout. Je vous présente les tenues vite fait, mais je vais continuer surtout à vous faire des photos, des looks sur Insta, parce que c'est là où on a le plus de. Bah, on peut réagir vraiment directement, quoi, tu vois. Donc ça, c'est cool. On peut vraiment. On est du tac au tac, voilà, on papote quoi. J'ai envie aussi de faire un peu plus de contenu make-up. Bah, en ce moment, j'ai grave envie, j'ai eu grave envie de nouveauté, j'ai assouvi cette nouveauté, vous aurez un haul. D'avance, je vous le dis. Bon, bref, j'ai craqué mon slip. Voilà, bon, bref. Et j'ai bien, bien envie de me tartiner la façade. Cela, c'est vrai que ces derniers temps, avec tout ce qui s'est passé entre Twinnie, entre mes dents, etc. Mon stress, mon anxiété, mes crises d'angoisse, etc. J'avoue que j'ai pas eu envie de. C'est pas que j'ai pas eu envie de me maquiller, j'avais envie de me maquiller, mais j'étais pas dans un bon mood, quoi. J'étais pas bien. J'étais. Bof, c'était pas pomper le pitic tonic pour faire du make-up, pour faire tout ça. Donc j'ai laissé tomber, mais maintenant, là, ça y est! Allez, on repart, regarde, hop, on se refait blonde parce qu'il y a un moment faut arrêter là ces cheveux là. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Regarde-moi ça. Il y a un moment où ça suffit en fait. Et puis on va se refaire belle, on va se réoccuper de soi, etc. Hein, voilà. Moi je veux savoir aussi dans quel mood vous êtes. Est-ce que. Bon, j'en ai ras le cul des humains. Petite parenthèse. Surtout des hommes. Grosse parenthèse. Vraiment ras le cul. Ras le fiac des humains en général et des hommes encore plus. Franchement, on serait bien mieux entre nanas à parler gloss, vernis, nature, petits oiseaux qui chantent et ménage, et tri, tu vois. Non, mais vraiment, je vous jure, hein, c'est compliqué hein, des fois. Mais hormis ça, voilà, j'en ai ras le cul des humains, mais finalement, ça change pas trop de d'habitude, hein. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, dans quel mood vous êtes? Et je suis aussi dans un mood où j'ai envie de m'escamper un peu de par ici. J'ai envie d'aller vadrouiller un petit peu. Qu'est-ce qui me retient? Je te laisse deviner. La conjoncture actuelle fait que. Non, mais je pense que je me ferai quand même. Je m'accorderai le fait d'aller m'escamper un peu, d'aller me faire des petites balades, etc. Que ça soit pas très loin comme un peu plus loin. Après tout, je ne vois pas ce que je peux risquer de pire. Donc voilà. On ira faire des balades par ici ou un peu plus loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment j'ai envie de. Voilà, j'ai envie de tout simplement profiter un peu de la life. Hein. Voilà. En fait, oui, donc je disais quel mood vous êtes vous en ce moment. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que. Voilà, je veux tout savoir. Parce que vous savez tout de moi, mais moi je ne sais rien de vous. Donc dites-moi tout ça parce que ça m'intrigue. Je veux savoir. Bon, on passera sur ma tête de zinzin parce que là vraiment c'est quelque chose. Voilà pour ce qui est de YouTube. Plutôt relativement positif en tout cas. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de retours négatifs, j'ai pas beaucoup d'emmerdeurs. J'avoue, j'ai de la chance. Parce que bah déjà je vous ai vous et vous êtes d'un grand support, d'une grande aide, d'un grand soutien, etc. Donc ce n'est pas rien et il faut le souligner. Quand il est là, il faut le souligner. Premièrement, et puis surtout, j'ai pas trop de négativité en vrai. Hein. Attention, transformation. Oh si, ça le fait. Donc voilà, comme je vous disais, vous êtes quand même d'une grande aide, etc., d'un grand soutien. Donc je vous remercie amplement pour ça. Voilà, pour YouTube, écoutez, notre aventure va continuer un petit peu. Si vous en avez pas marre de moi encore, et bien on va continuer. Et je vais laisser poser un peu. Et puis je pense que sûrement que j'aurai une deuxième décolo à faire. En ce moment, je suis sur un rythme. Ça fait, je dirais, je crois que c'est la troisième fois que je fais ce truc-là. Et je trouve que mes cheveux sont encaissent bien le choc et sont plutôt jolis. Je fais deux décolos et une patine.
Alors, la patine, ça dépend. Soit elle suit vraiment les décolos, soit pas. On verra pour ce coup-ci. Tout dépend de comment mes cheveux réagissent. Mais en ce moment, voilà, deux décolos, une patine et mes cheveux sont comme neufs. Donc, on va bien voir. Donc, pour l'instant, je vais laisser poser ça et puis on discutera lors du coup de la deuxième décolo. Comme ça, vous verrez un petit peu l'avancée. Hein? Qu'est-ce qu'on en dit? C'est pas mal, hein? On discutera sur un petit update de vie, tout simplement. Hein? Vous en pensez quoi? Ouais, c'est bien. Allez, à tout de suite. A few moments later. Ta-da! Ta-da! Je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. De toute façon, on va procéder à la deuxième décolo. Je me faisais une réflexion d'ailleurs concernant mes cheveux. Je me faisais la réflexion de. Alors, tu vois, la première décolo, ça donne ça. Ça donne un espèce de blond pipi jaune comme ça. Bon, si tu pisses jaune comme ça, franchement, fais-toi du souci, hein. Bois plus d'eau. Mais oui, je me faisais la réflexion de franchement, j'ai beaucoup, beaucoup de chance d'avoir des cheveux aussi costauds que les miens. Alors, oui, l'objectif, je l'ai déjà dit, mais l'objectif, c'est je veux les cheveux longs et blond polaire comme j'ai. Je sais pas, hein, à tout moment, je coupe tout et basta, hein, mais ouais, ça serait l'objectif. Bref. Donc là, je vais recommencer une autre décolo, mais avec un pourcentage d'oxydant beaucoup plus bas. Histoire de pas trop les endommager, mais que ça soit efficace et que je trouve une tête potable très très vite. Voilà. Je veux plus faire comme avant, espacer sur plusieurs jours, etc. Je sais comment mes cheveux encaissent la chose et je sais qu'est-ce qu'il faut utiliser comme produit. Donc maintenant, c'est bon. Je suis dans une bonne routine. Bref, revenons à nos moutons. Je vous ai dit que j'allais vous parler du coup un petit update de ma life. Que se passe-t-il dans ma life en ce moment? Bah écoutez, pas grand-chose à part vous, hein, vous qui prenez beaucoup de ma life, mais pour mon plus grand plaisir, honnêtement. Par contre, vraiment, il va falloir que je change ce pinceau. Regarde, il commence vraiment à me lâcher des poils un peu partout, donc je te dis pas quand je rince mes cheveux, c'est n'importe quoi. Donc oui, vous qui me prenez beaucoup de place, mais pour mon plus grand plaisir, comme je le dis. Et puis en vrai, je suis tellement dans un objectif de travailler sur moi, d'être une meilleure version de moi-même, que en vrai je suis assez contente parce que YouTube me permet de faire ça en ce moment, me permet d'avoir une pause dans ma vie pour me reconnecter à moi-même et être vraiment en adéquation avec moi-même. Ouais, bref, vous aurez compris quoi, dans quel mood je suis. Donc ça, je suis très contente en ce moment, je travaille plutôt bien avec moi-même. J'ai encore pu travailler sur certains points sur moi-même qui me paraissaient importants à travailler et je suis assez contente du résultat parce que maintenant j'essaye d'aller mieux avec moi-même quoi. C'est hyper important. Par contre, ah, j'ai eu de nouveau des comebacks. Oui, baby comeback, oui. Mais c'est quoi leur délire? C'est quoi leur problème au mec? Justement, je vous disais les mecs et tout, mais vraiment, ils ont un gros problème, hein. En fait, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles, en fait? Au bout d'un moment, vous avez été incapable une fois. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut vous reprendre pour que vous soyez définitivement incapable deux fois? Non, mais il y a un moment. Il y a un moment. Il y a un moment, voilà. Apprenez à travailler sur vous, soyez des meilleures versions de vous-même, mais venez pas nous casser les pieds dans notre tranquillité, dans le fait de level up notre propre game à nous-mêmes, tu vois. Non, non, on ne, non, non, en fait, non, pas du tout, quoi. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Bref, donc oui, j'ai eu quelques comebacks, mais franchement, je pense que j'ai démotivé la personne. Donc c'est très bien. Si toutefois ces personnes qui reviennent là, si toutefois les personnes qui sont revenues durant ces derniers mois tentent le coup de re-revenir, je pense que ce coup-là, j'ai été gentille jusqu'ici, mais je pense que ce coup-là, ils termineront bloqués parce qu'il y a un moment, faut arrêter de nous casser les pieds en fait. Faut arrêter de. Laissez-nous tranquilles, en fait. Vous ne servez à rien. Vous n'avez jamais servi à rien. Vous nous apportez absolument rien. À part de la prise de tête, et c'est chiant. On n'a pas envie. Donc laissez-nous tranquilles. Voilà. C'est tout? Non, mais c'est tout. C'est tout.
les mecs qui veulent jouer les bonnes personnes, j'ai eu trois comebacks. Sur les trois comebacks, mon ex, mon avant-ex et mon avant-avant-ex, je peux vous dire, sincèrement, hein, que je peux faire tomber, bon maintenant, à l'heure actuelle, deux couples, mais je pouvais faire tomber trois couples. Les mecs étaient en couple, et ils venaient quand même me discuter, mais c'est quoi vos délires, quoi? Il y a un moment, concentrez-vous sur votre vie, laissez-nous tranquilles, oui, on glow up, oui, on level up, oui, on devient encore meilleur, parce que justement, on a connu le pire avec vous. Non mais c'est vrai, c'est réel en fait, tout simplement, c'est vraiment réel. On ne veut plus, on veut des gens capables, des hommes capables, capables de nous rendre heureuses, capables d'avoir appris de leurs erreurs et de ne pas les reproduire. Je pense sincèrement que dans une relation, si ça n'a pas marché une première fois, je vois pas pourquoi ça marcherait une deuxième fois. Voilà. Donc il y a un moment, il faudrait vraiment nous lâcher la grappe, nous foutre la paix un petit peu, qu'on puisse travailler sur nous tranquillement, en fait. Et voilà. Bref, j'avais envie de faire cette petite parenthèse, je crois que j'en avais besoin de sortir tout ce que j'avais besoin de sortir en fait. Non mais c'est grave, hein. C'est grave. Je sais pas s'il y a des femmes qui font ça, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très masculin de faire des comebacks comme ça et de venir nous casser la tête là. Laissez-nous tranquilles en fait, laissez-nous tranquilles. Vous croyez vraiment, mais en fait je sais pourquoi c'est quelque chose de très masculin que les mecs reviennent vers ce qu'ils ont connu. Parce que tout simplement ils savent très bien ce qu'ils ont connu justement. Ils savent qu'on est le top et du pain en pain. On est en place, tu vois. On est vraiment en place et en plus de ça, ils savent très bien que justement on est tellement en place qu'on sait se remettre en question, qu'on sait level up notre propre game, qu'on sait faire en sorte de travailler sur nous et de devenir encore meilleur que ce qu'on a pu être. Et c'est pour ça qu'ils reviennent. Il y a un autre point aussi, et ça c'est réel, j'ai entendu beaucoup de fois, mais je pense que vraiment plus le temps passe, plus je réalise ça fort fort, c'est que les hommes ont quand même beaucoup moins de choix que nous. Nous, en vrai de vrai, toi-même tu sais, ma girl, tu sais très bien que nous on a le choix, question mec. Non mais vraiment, je veux dire, sans déconner, les mecs ne pensent pas avec grand chose. Oh c'est moche ce que je dis. Mais en vrai de vrai, on a beaucoup plus de choix en fait. Si on veut, on peut, nous les filles. C'est juste qu'on veut pas justement. On veut avoir la paix, on veut être tranquille en fait. C'est ça qu'ils ont pas compris. J'ai entendu cette phrase on a plus de choix et tout, mais c'est vrai, c'est réel. C'est réel. Donc voilà. Et parfois, on fait le choix de notre propre paix, de notre tranquillité, pour notre plus grand bien, pour notre plus grand plaisir, parce qu'on a besoin de temps pour nous, tout simplement. Moi, j'ai besoin d'avoir la paix, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin de... Voilà. Et puis, je veux, surtout, je sais ce que je veux bien précisément. Maintenant, je sais parfaitement. Je ne vais pas me contenter d'un vieux clochard, je vais pas me contenter du premier venu, non, non, non. Je sais que je vaux mieux que ça, je vaux vraiment mieux que ça. Donc, eh bien, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Et cette phrase prend vraiment tout son sens. Non mais c'est vrai les meufs, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, avec tout le vécu que je peux avoir, c'est ne vous faites pas embourber par le premier venu. Je pense qu'on mérite mieux que ça quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On mérite mieux. Sinon, update de ma vie toujours. Comment je vais avec Twinnie. Écoutez, Twinnie, bah, c'est dur hein, de toute façon. C'est comme sinon, hein, ça sera toujours dur de ne pas le voir, etc. Il y a des jours où c'est pire. Il y a des jours où c'est un peu moins pire, on va dire. Mais il est à la maison. Il est avec nous maintenant. Et puis voilà. Par contre, j'avoue que je toque énormément sur Pili Poupette. C'est-à-dire que je pense que je suis une trauma des dents, des escarres, des pieds, des machins. Donc j'avoue, je le vérifie, je le check assez souvent. Vous inquiétez pas, tout va bien pour Pili Poupette. J'ai reçu plusieurs fois la question de « est-ce que tu vas pas lui prendre un petit copain ?» et tout. Vous vous rendez compte que ça fait genre 5 minutes que Twinnie qu'il est parti. Hein. En temps réel, non mais vraiment, ça fait 5 minutes qu'il est parti. Est-ce que vous pensez réellement que je vais lui prendre comme ça?
on s'en fout, on lui prend parce que ça l'empêchera d'être seul. Non. Non, 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 non. Je préfère toquer sur lui, le chouchouter, le traiter comme un roi, que d'en prendre un autre avec l'effet perte d'un animal que ça peut avoir. Non, 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 non. Un deuil, quelqu'un ne remplace pas quelqu'un. En fait, jamais de la vie. Voilà, il faut prendre le temps de faire son deuil. C'est pas parce que je suis pas en train de pleurer que je ne souffre pas à l'intérieur. Ça me fait chier de ouf d'avoir perdu Tweenie, mais en fait, il est irremplaçable. Comme Snow a été irremplaçable et sera jamais irremplaçable, comme mon fille, comme n'importe qui. Et Poupette, je fais attention qu'il aille bien, qu'il se sente pas trop seul. Là, tu vois, il est en train de se reposer parce qu'il vient juste de terminer de manger. Le matin, j'arrête pas de l'embêter. L'après-midi, c'est la même. Je le laisse se reposer. On a des moments où on joue tous les deux. J'essaye de l'occuper au maximum. Et puis, il faut vous dire que Pili Poupette, il a du coup, il va sur ses 4 ans. Comme Twiniki, s'il avait été là, puisqu'ils avaient le même âge. À un mois après, ils avaient le même âge. Comment vous dire, c'est un petit papou, hein. C'est un petit papou. En âge de chonchon, il a la moitié de sa vie presque. Oui, oui, parce qu'un chonchon, c'est censé vivre d'après les dernières expériences, etc. Ça peut vivre jusqu'à 8 ans. Donc imaginez-vous, il a déjà un grand âge. Hein. D'ailleurs, c'est rigolo de faire ce test-là. C'est le test de votre cochon d'Inde aurait quel âge en âge humain. Je vous laisse faire le test. Ah, il est bien âgé, mon petit chonchon. Donc voilà, je prends soin de lui, on rigole bien, on s'embête mutuellement. Il adore ça parce que voilà, il est pas seul, je lui fais passer des bons moments. On le nourrit bien, bien évidemment. On fait attention à lui, bien évidemment. On s'occupe de lui toute la journée. C'est le petit roi de la maison. Et voilà quoi. Et voilà. Non, c'est vraiment, c'est tellement, tellement dur, vraiment, de les perdre. Que pour l'instant, il ne faut pas me parler de remplacer Twiniki. Est-ce que tu vas en prendre un autre? Bien sûr que non. Enfin, bien sûr que non. Si j'en prends un, déjà, c'est pas demain la veille, je vous le dis, parce que vraiment, comment dire? J'aime trop les animaux et je ne me vois pas vivre toute ma vie sans animaux, parce que les animaux, c'est vraiment la vie. Mais c'est aussi très difficile, quoi. Au point de vue émotionnel, c'est très compliqué, c'est vraiment très difficile. Donc non, non, c'est pas possible de, comment dire, de si peu les considérer que de prendre un animal directement après, non. Enfin, moi, dans ma vision des choses, non, c'est hors de question. Je vais faire l'arrière et puis je reviens de suite. J'ai dû rallumer la caméra avec le bout de mon nez, voilà. Bref, donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, bah voilà, pour Tweenie, pour Pili Poupti. Pour tout mon petit monde, c'est comme ma fille, hein. Ma fille, je rêverais d'avoir un autre petit canari qu'il faut s'occuper comme ça parce que ma fille c'était tellement voilà, mais après voilà, ma fille, j'avais pas décidé non plus qu'elle soit dans cet état là, que ce soit une petite mamie canari et que je m'en occupe jusqu'à la fin, j'ai pas décidé. C'est venu à moi comme ça, mais voilà. Bref, je vais remettre mon casque de cosmonaute. Magnifique, vraiment de toute beauté. Quoi d'autre dans ma life? Écoutez, je dirais que pour le coup, ça va. J'ai juste hâte d'un truc. Alors aujourd'hui, il fait soleil, mais j'ai juste hâte qu'il fasse vraiment beau et chaud. Parce que là, j'ai dû remettre le chauffage et tout tellement j'ai froid. Il fait froid, de ouf. Le journal du coin là qui dit ah, le retour de l'hiver en Haute-Loire, Nick, mais avec les grandes oreilles de ouf, hein, et toute la parade avec. Non, il y en a marre clairement de ce temps pourri là. Il fait froid, on se pèle les miches, il neige, il pleut, on veut du printemps. Mais le problème, c'est que je sais très bien qu'il n'y aura pas de printemps. Il y aura directement du trop chaud, tu vois. Il n'y aura pas d'entre-deux, ou ça durera 2 jours d'entre-deux, mais après, ça sera la folie. Donc bon, on encaisse, on subit, et puis voilà, et puis on ferme notre petite bouche, voilà. Bref, allez, c'est reparti pour une petite pause avec le bonnet en aluminium.
Et je reviendrai pour la dernière partie qui sera la partie de la patine. And that's it. Ça sera déjà pas mal, non? Deuxième décollo terminé, rincé, etc. Comme tu peux voir, c'est pas mal. Le résultat est plutôt bien. On a un peu moins de doré. On a réussi à presque tout décolorer. Non mais ça ne veut pas aujourd'hui, donc je laisse tomber, c'est pas grave. Dessous, c'est un peu moins décoloré parce que je le laisse moins poser. Traumatisme d'avoir perdu tous mes cheveux en arrière. Heureusement que c'était que derrière, d'ailleurs, bref. Mais voilà. Pas mal, pas mal. On va quand même rebalancer la couleur pour que ça soit encore plus clair. Mais on voit tout mon crâne, ça fait très bizarre. Et on va rebalancer donc avec une patine, comme d'habitude. Donc là, on est sur la dernière étape pour avoir meilleure tête. Les pauvres, je les sens fatigués, mais je les sens pas... ça va, ils sont fatigués, mais fatigués cool. Je sais pas si... Bon, bref. En tout cas... Ce que je vais faire là, du coup je pense qu'on a assez débriefé sur ma vie, sur ce qui se passe et tout. Je suis un peu rouge là quand même. Bon, en même temps, après deux décolos, c'est un peu normal. Hein. Mais ça va, ça passe. Donc là ce que je vais faire, comme je vous ai dit, je vais faire une patine au niveau principalement des racines. Donc voilà, je vais essayer de faire toutes mes racines. Je vais vous laisser en accéléré pour mettre ma petite patine. J'y vais avec les doigts parce que franchement, flemme de ouf. J'en ai fait un petit peu beaucoup de la patine finalement. Et que du coup, ben, comme tu vois, je suis en train de l'étaler sur longueur et pointe. Donc j'attache avec ma petite péance. Et je vais surtout mettre le petit bonnet en. Petit bonnet banane. Pff, vraiment la dégaine que j'ai quoi. Voilà. J'ai du cheveu, j'ai du... Bon bref, je me lave les mains, je reviens. Bon ben voilà, nous avons un look particulièrement magnifique, n'est-ce pas? Donc après que j'aurai laissé poser ma patine, j'irai les rincer, pas les laver. Enfin, dans le sens où j'utiliserai pas de shampoing parce que voilà, je vais juste bien les rincer, etc. Et je vais utiliser... un masque que je laisserai bien poser. Je pense que j'ai sorti tout peu, plein de petits comme ça à terminer et tout. Je vais laisser poser un bon peu le masque réparateur pointe au jojoba reconstituant, pardon, j'avais perdu le mot, de chez Yves Rocher, longueur et pointe évidemment. Et ça leur fera le plus grand bien. Est-ce que je vous montre le résultat à la fin? Ouais, pourquoi pas. Pour l'instant, déjà, on va partir en pause pour la patine. Et puis, je vous tiens au courant si j'ai encore un poil sur le caillou. Et tadadam! Est-ce que ce ne sont pas des racines fabuleusement, incroyablement belles? Hein? Non, mais incroyable. Qu'est-ce que je deviens de plus en plus forte en cheveux, moi? J'adore. Bref, bon, il faut que j'y mette les soins, etc. là, parce qu'ils sont vraiment fatigués, les pauvres. Je les ai crevés de ouf. Je voulais faire un petit point. J'ai testé un truc parce que ça fait X temps là que c'est dans mes placards. J'avais trop envie de tester ça. Et alors, comme ça, ça me sent... Ah ! Décidément, ça ne... Ça le sent un peu, mais pas de trop. Est-ce que c'est le combo des deux qui a fait que... Mais mes cheveux, là, actuellement, et je suis très contente, sentent le parfum... ils sentent clairement cette bombe de chez Dolce Gabbana. C'est le intense que je vous ai montré dans la dernière, une de mes dernières vidéos, l'avant-dernière je crois. Ouais. En moins costaud, mais ils sentent ça. Oh, je sens bon. Alors je sais pas du tout si ça vient du fait d'avoir mélangé les deux produits, parce que du coup je voulais trop tester, mais moi je l'ai appliqué comme un masque, c'est-à-dire que je l'ai mis sur mes longueurs et pointes, et j'ai mis du masque, et j'ai laissé poser ça genre 30 minutes, un bon 30 minutes, voire bien dépassé même, parce que moi les soins il faut vraiment que ça pose, hein, parce que, tu vois un peu l'état de mes cheveux.
Donc voilà. Mais vraiment, l'odeur, j'adore. Bref. Maintenant, on va passer au dernier soin avant de vous quitter. Je vais tout d'abord placer le démêlant. Le démêlant de Action. Donc ce que je fais, c'est que je le mets tête en bas. Voilà. Et je le mets sur vraiment tout partout, tout partout. Et enfin, dernier petit soin que j'applique avant de les laisser tranquilles pour toute la nuit, qu'ils sèchent à l'air libre, tout naturellement et tout légèrement comme ça, je vais mettre le Hair Serum de chez Action aussi. Pour le coup, je l'aime bien, mais que une pompette entière, que genre juste comme ça après le lavage, je l'aime bien. Mais en temps, enfin, sur cheveux secs, en soin de tout le temps, non. Je préfère mettre de l'huile en fait. Voilà. Bref, du coup, je le mets vraiment longueur et pointe là aussi. Je passe un tout petit peu, très légèrement, mes doigts entre mes cheveux, histoire de faire le démêlage. Mais j'y vais tout doucement parce que là, tu comprendras que mes cheveux sont hyper, hyper fatigués. Donc je passe vraiment tout doucement, comme ça un peu partout, pour essayer de mettre du sérum un peu partout. Je vais vraiment doucement parce que j'ai les ongles qui accrochent un peu là, parce que j'ai de la repousse et que je n'ai visiblement pas assez passé la machine sur mes capsules ici là, bref, du coup ça accroche. Donc je vais passer tout doucement comme ça, pour surtout ne pas les brusquer. C'est hors de question sur mes cheveux que je passe un coup de brosse quand ils sont mouillés, sinon clairement je n'ai plus de cheveux. De toute façon c'est pas bon de peigner ses cheveux quand ils sont mouillés, c'est pas bon parce que ça casse. Ils ont été quand même assez, même si c'est que sans passer par des décolorations, des couleurs, des machins, juste le fait d'être nettoyé par du shampoing, c'est quand même relativement agressif. Donc si en plus tu t'amuses à les peigner, comment te dire, stop à l'agression en fait. Donc voilà, moi je passe juste un petit coup avec mes ongles tout doucement comme ça, sans les brusquer. Par contre ils sont super doux. Je suis assez fan de la douceur du cheveu là. Waouh, waouh. Voilà, je vais pas plus les embêter que ça. En plus j'en perds pas mal là déjà. Forcément, hein, après colo, décolo surtout, je sais que j'en perds quand même pas mal, c'est tout à fait normal. Et je vais mettre pour finir une gouttinette, c'est-à-dire à peu près deux pompettes de mon huile, c'est la Oil Wonders de chez Matrix, que je mets encore une fois partout partout, et cette fois-ci je la mets même en racine comme ça, je la mets voilà partout partout, longueur, pointe, racine, tout. J'essaye de, tu vois, comme ça, de masser un peu. J'essaye de, voilà, d'en mettre un peu partout. Et maintenant, définitivement, je leur fous la paix jusqu'à demain, qu'ils soient secs. J'ai vraiment beaucoup de chance que mes cheveux coopèrent avec moi et que j'atteigne toujours ce résultat-là qui n'est pas facile. Surtout que moi, j'ai quand même le cheveu très très foncé, vous l'avez vu. Donc, non, je suis contente du résultat. Toujours aussi ravie de mon blond, même s'il est difficile à avoir, ça me demande énormément de travail, vous l'avez vu, je suis quand même hyper contente du résultat. Bon ben voilà, c'est sur cette update cheveux, cette nouvelle petite tête que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros poutouilles, je vous dis à demain, si tout va bien.